Pas assez beau pour vivre ce matin, pour mourir non plus. Des trous bleus dans les nuages, comme ceux que les Esquimaux font dans la glace pour pêcher du poisson. Sommes-nous les poissons, les pêcheurs? Et quelle prise pouvons-nous espérer? Un jour, stupide hélice nous attend, un de ceux dont on se demandera ce soir pourquoi toutes ces heures on a fermé les yeux. Tu prendrais un peu de ciel dans ta main. Tu aurais écarté les nuages, tu verrais ton visage dans l'eau bleue. Tu sentirais la lumière descendre en toi. Tu serais presque heureux. Comment on est un poème? Bon, d'abord, il y a des bonnes périodes et des périodes moins bonnes. C'est un peu comme comment on dit qu'il y a des années à prune et bon, donc il faut un minimum de... Faut que ça aille, grosso modo, si je puis dire. Hein. Il y a des cycles, quand même. Il y a besoin de jachères, de moments où on laisse un peu reposer le chant, puisque, bon, généralement, je fais des choses un peu sur les mêmes thèmes, un peu sur... Comme un peintre, je reprends un peu les mêmes tableaux, les mêmes... voilà. Alors, comment ça n'est, ben, généralement, mettons 9 fois sur 10, ça va être au cours d'une promenade, une chose vue. Ça essaye toujours effectivement de capter généralement des instants, oui, des instantanés. Bien que je ne sois pas photographe, mais c'est quand même effectivement des instants, des instantanés. Des instants, alors ça peut être de gens extérieurs, de personnages, enfin de gens que je vois et dont je peux essayer d'imaginer, ça peut être une scène. Imaginez ce qui se passe derrière ou avant, ou des choses comme ça. Ou effectivement, un instant de sensation, un instant de trucs comme ça, oui. Oui, généralement. C'est une petite source dans la montagne, une petite cascade sur le bord du chemin, non remarquable, non étonnante. J'ignore son nom, si elle en a un.
Je me suis arrêté, j'ai épongé une légère sueur sur mon front, perçu les battements du sang entre mes tempes, senti ma respiration faiblement accélérée. J'ai écouté les bruits de l'eau, les sons de l'air. Ce n'était pas un point de vue. J'étais calme, vide. C'était ce moment-là. Elle a sa main dans sa main. Il a sa main dans sa poche. Qu'en conclure? Une seule a donné sa main. Ils se sont levés du banc parce qu'ils avaient froid, ou froid entre eux. La journée d'hiver n'explique pas tout. Lui, visage fermé, corps raide. Elle, penchée vers lui. Je flaire le malentendu. Combien de temps marcheront-ils encore du même pas? Qu'ils se débrouillent. Je tiens à profiter des derniers rayons du soleil couchant. Quand tu as le cœur ouvert en deux, et qu'il en tombe des colères, des larmes, des remords, tu ne comprends pas que les passants dans la rue ne disent pas « Monsieur, refermez votre veste, on voit votre blessure. » Mais à toi aussi, cette douleur si profonde et invisible. Tu rentres chez toi. Aux toilettes, tu vomis tous tes souvenirs. Tu allumes le gaz, tu prépares un thé. Tu regardes par la vitre les automobiles, les passants qui ont l'air d'être les mêmes qu'hier soir à la même heure. Et tu comprends que tu ne seras plus désormais qu'une ombre chez les morts. Ça fait plaisir, c'est vrai, on fait pour ça, même si on le sait pas. Bon, c'est bien, c'est les lecteurs inconnus, oui, qui comptent, comme soi-même, on a été un lecteur inconnu et admiratif et passionné. On écrit pour essayer de provoquer chez les autres cette espèce de coup de cœur, de rencontre qu'on a eu avec un livre. Avec un livre, je ne dis pas avec un auteur, c'est autre chose. L'auteur n'est pas forcément... Un livre, c'est autre chose, un livre, c'est une création, c'est pas bon. Mais une rencontre avec un livre, oui. Donc, des livres qui m'ont bousculé, marqué, ou des poèmes, simplement, ou des, même parfois que des vers. Et donc, certainement, c'est ce qu'on essaye de, plus ou moins bien de faire, quoi. Voilà. Je regarde le ciel clair et j'ai froid. On peut en conclure que le soleil n'entre pas dans la chambre ou que je ne suis pas dans la trajectoire de ses rayons.
que la fenêtre est ouverte et qu'il y a du vent. On peut aussi penser que j'ai d'autres raisons d'avoir froid, bien qu'on soit en été, et que règne un ciel clair et glacé. Toujours j'ai envie d'écrire au moment du sommeil, quand il est trop tard, qu'on va se perdre dans la nuit. Le monde paraît simple tout à coup, les mots utiles. Quel artiste périt parce que le jour n'a pas duré. Les peurs d'enfance jouent leur rôle, besoin de s'inventer un rêve pour lutter contre les ténèbres. En tout cas, ne pas noter ces purs poèmes, ces bleus chefs-d'œuvre. Il peut y avoir des matins. Où se relire est plus pénible que de s'apercevoir dans la glace. Savourer ses projets fugaces comme bonbons tendres et les laisser se perdre au paradis des rêves inaccomplis.